Bon les petits gars, c'est assez simple ce qui va se passer aujourd'hui. On doit jouer en Rivals pour tout simplement faire évoluer notre petit Chris Bedia. Vous voyez qu'on a fini le petit Stevanovic, bien évidemment. Et donc là, on fait évoluer Chris Bedia. Et pour s'amuser, nous avons acheté Mia Hamm à 4 millions pour tenter la joueuse, hein, tout simplement. Donc on va essayer, voir un peu ce que ça peut donner. Et puis let's go, hein, tout simplement. Yeah. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. On doit juste jouer des matchs, on n'a pas besoin de gagner. Donc franchement, tranquille. Juste s'amuser, c'est un peu ce qu'on recherche. Et testons la Ronaldo féminine. Vous savez que j'ai testé R9, donc du coup, je vais pouvoir vous dire honnêtement qui je préfère des deux. Pour l'instant, j'ai pas de préférence à me dire à lui, elle ou lui sera meilleur. Mais en gros, c'est un petit peu la comparaison est assez simple entre Ham et puis Ronaldo, vu que les deux sont buteurs, les deux ont les double 5. Donc voilà, tu critiques les femmes en début de jeu, tu as changé d'avis. Alors, Gokhan, c'est un raccourci un petit peu stupide de faire. J'ai jamais critiqué les femmes sur en soi. J'ai critiqué le fait que les équipes soient mixtes par rapport au fait où ça enlève beaucoup de réalité au jeu de football. Donc voilà. J'ai pas critiqué les femmes, j'ai pas dit les femmes c'est nul. Je suis le premier à avoir fait des vidéos avec des joueuses féminines pour faire la promotion du football féminin. Donc au bout d'un moment, si vous voulez tirer sur quelqu'un, je suis pas certain que je sois la bonne personne, les petits potes. Hein ? Par exemple, tu peux aller voir ma vidéo avec Gaëtan Tinet. Typiquement, tu peux aller voir la date de la vidéo et tu reviendras me dire en quelle année c'était. Il faut faire attention aux raccourcis, hein. Les raccourcis c'est dangereux que vous faites les gars, je vous le dis. Hein. Magnifique. Quelle passe de Ham et quel but de Rize que nous avons replacé, je vous rappelle, hein, en milieu centre. Tu trouves comment Gullit? Écoute, défensivement il fait le taf, offensivement c'est un petit peu moins fort que les autres versions, mais franchement, sympa. Hein. Les USBC, t'en penses quoi? Bah, je pense que si vous kiffez Zidane, c'est sympa à faire parce que voilà, mais après, moi je le fais pas parce que bah, j'ai mis au milieu de terrain, quoi. Tu vois. Oh, dommage, elle était belle la frappe. Oh là là, le Chris, monsieur. Ça fait plaisir. Et c'est une passe de Ham encore? Je sais plus. Ah, et l'engagement, hein, compliqué. Ouais, il a mis le pressing. On va essayer un truc, parce que j'ai envie de tester Ham en pointe. Du coup, on va se permettre de rentrer peut-être un truc meilleur. Je crois que je préfère ça là, quand même. Et tiens, on va se mettre Nordi Mukiele pour tester, vu qu'on l'a paqué. Ouh, il la touche. Il la touche. J'ai entendu le bruit. Pourquoi mon joueur s'est... Mon joueur s'est écarté en bas. C'est affreux, hein. Ok, égalisation de Ham. Premier but de madame dans notre club. Bravo. D'accord. Ok, la tête. Je voulais une reprise de volée, mais j'ai raté. Ouais, bon, je crois que c'est pas pour nous la victoire, quoi. Eh ben, 3-3, vraiment, c'est... Ouais. Voilà, bon ben... Oui. Allez, on va réessayer un deuxième match. Allez, essayons, hein. On verra bien. Hein. Ouh, Chris. Bravo. Sympa quand même, Ham, comme elle a tenu là. C'est pas le maître des balles piquées non plus, hein. On a tenté, mais... Et ça me fait kiffer, moi, de jouer des joueurs du Servette. J'ai jamais pu jouer avec des... Oh là là, Stevanovic, il la mettait. J'ai jamais pu jouer avec des joueurs du Servette dans mon équipe Ultimate Team. Là, imagine-toi. J'ai cette opportunité-là, bien évidemment que je vais la saisir. Ah, dommage, j'ai cru que je passais. Oui.
Oui, Chris, fais-lui un bisou. Let's go. Ah, écoute, hein, au bout d'un moment, pas déconner. Hein. Doublé de Chris. Et tu vois, c'est pour ça que je joue en Rivals, parce que bah, d'une part, tu vois, ça, bon, bah là, j'ai les 7 victoires, mais d'une part, ça avance ça. Et d'autre part, bon, bah, tu vois, les rush kits, ça te fait gagner du temps, tu vois, mine de rien. Non, voilà, tu vois, c'est pour ça que moi, comme je dis, je vais prendre beaucoup plus de plaisir à jouer avec des joueurs peut-être moins forts. Et encore une fois, tu regardes la carte de Mitcha Stevanovic, bon, ah oui, bon, d'accord, c'est pas la meilleure, mais il peut tenir un peu l'équipe quand même, quoi. Faut que je fasse gaffe, parce qu'en fait, il est en surnombre en attaque tout le temps, là. Ouais, bon, bah, après ça, je peux pas faire grand-chose, malheureusement. Rivaldo, on sait tous qui tire au milieu, hein. Regardez, sans les mains. Bon, on fera pas de TikTok là-dessus. Ah, ça va, j'avais un TikTok qui avait bien marché où il y avait eu un penalty bullshit et je m'énervais. Je disais, mais bon, après, je sais qu'il va tirer au milieu. Et puis, bon, ça allait bien. Mais là, malheureusement, on va peut-être pas le mettre celui-là. Non, bah, ça va. Oh. Ah, ouais, d'accord. Mec, frère, j'ai demandé. T'as vu le bug? J'ai demandé le centre. Elle a fait et après, elle a centré derrière. C'est trop bizarre. Ouh. Enfin, une variante. Oh là là. Oh âme. Oh là 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 là, ce qu'elle a mis. Oh le 2-1. Oh la coquine. Joli, hein. Petite accélération là sur le dribble. Le double contact avec L1 appuyé. Allez, 2-1. Ah non, Chris! Non. Tu vas pas lui donner ça quand même. Ouais, c'est un sketch. Voilà, merci Chris. Heureusement que c'était la 45ème, hein, c'est pour ça que ça rentre, hein, je pense. Hein. Détail du match. Ben ouais. Ben ouais, il y a un petit. Frère, je fais 12 tirs. Je sais pas comment je perds contre ça, quoi, mais bon, c'est e-sport. Moi, je vous le dis, hein, la vérité, c'est que c'est vraiment le jeu le plus éclaté au monde qui existe en termes de réalisme, quoi. Quand tu domines autant un match, clairement, t'es au-dessus, quoi. Mais ben, quand le jeu veut pas, le jeu veut pas. Allez, Mitcha 1-0. Passe D de monsieur Chris Bedia. Bon, au final, on voit que Chris Bedia fait plus de différence que Ham dans mon équipe. Je sais pas jouer avec les gros joueurs, c'est affolant. Faute. Alors, testons. Parce qu'en fait, on a Bedia, il a reçu un truc pour les coups francs de ouf. Par contre, il a pas beaucoup de stats, quoi. Mais essayons le délire, quoi. Ouais, ça va te rentrer dans un joueur, malheureusement, quoi. Oh ! Ah ouais ! Ah oui, c'est fort ! Mais il a le truc coup franc en or, là, tu sais, alors qu'il a des stats de merde. Oh, ça va être bien cheaté, cette histoire. Oh, coup franc ! Bon, là, c'est un peu loin, là, quand même. Ah ouais, ça... Ah, ça peut poser des problèmes, hein ? Même de loin, hein. Oh bah s'il veut le jouer direct, on va se mettre là, hein. Oh là là. Penalty. Oh. Oh le scandale. Ça y est. Le jeu veut l'aider. Ah ouais, bah oui, mais non, mais c'est clair. Bah ouais, bah ouais, bah oui, non, mais c'est sûr. C'est fou, hein. Un match, on passe à 84. Vas-y, on fait un dernier pour voir ce que ça donne. Mais ouais, pas facile, hein. J'ai vraiment eu l'impression qu'à chaque fois, mes matchs étaient compliqués. Oh, les engagements, mon gars, c'est des boulevards. On a attendu qu'il bouge. Bedia! Oubedia!
coup de boule. Oui, mon monstre. Ça va être mon monstre, je te le dis. Bon, t'as compris la façon de jouer, quoi. Hein. Va falloir faire attention. Hein. Ah, c'est Rashkid parce qu'il a raté. Voilà. Ça m'arrive aussi. Bah, c'est limite celui qui jouait le mieux, lui. On passe à 84. Et du coup, là où ça va être intéressant, c'est cette évolution-là à 85. Où il va prendre un plus 1 de geste technique déjà. Bon, 5 matchs, 3 buts et 4 passes D. On va pas se mentir, ça reste quand même très très solide. Après, on l'a pas joué au poste qui est le sien. Mais ouais, Ham a l'air très très forte, bien évidemment. On va la remettre en vente pour récupérer un peu nos crédits. Ce sera important. On va mettre à 4 millions 41. On espère que ça parte assez rapidement pour pas perdre trop de crédits. Et on verra qui c'est qu'on mettra après sur les côtés comme deuxième joueur. Pour l'instant, je sais pas trop, on verra.